même pas 12 ans, et déjà exposant. Romain vend ses trésors, aucun remords. Les cartes Pokémon et les jouets de voiture et Batman et tout ça. Parce que je suis passé à quelque chose d'autre et du coup, voilà. Je vais à l'ordinateur. Cartes et jouets au plus offrant, la petite cagnotte tranquillement. Sous la pluie, il y a du bonheur entre les mains d'un brocanteur amateur. Alors ça fait office de briquet, mais ça fait poudrier et ça fait rouge à lèvres. C'est un métier. Vous cherchez les belles choses, vous trouvez les belles choses, vous y prenez goût. Et puis après, bon, ça devient... Moi, je me lève à 6 h le matin pour aller chiner. Le vide-grenier de Saint-Georges, à peine 70 exposants contre 120 habituellement. Un vide-grenier, ça peut vous rapporter entre 4 500 € de recettes, je parle. Et ça peut être 1500 ou 1000 € s'il y a un temps comme ça, quoi. De fait, les plus chanceux sont à l'abri pour vendre les objets de toute une vie. On a mis longtemps avant de se décider, puis après on a dit, bon, de toute façon personne n'en veut après. Alors. Moi, c'est pas mon style chez moi, alors donc il faut bien s'en séparer. Hein. Ici, Grenouillère et Body, car ces deux filles ont bien grandi. Elles les ont portées toutes les deux, le temps que ça leur aille, oui. Ceux que je préférais, je les ai gardés. Voilà. Ceux que j'y tiens, je les garde. À Saint-Georges, au vide-grenier, il n'y a pas d'âge pour apprendre à chiner.